Là aujourd'hui 25, maxi 25. Ils le disent eux-mêmes que c'est des classes qui sont surchargées, qui n'arrivent pas à s'occuper cas par cas. Donc c'est-à-dire que si un enfant est en difficulté, et ben malheureusement il sera en difficulté. Il va arriver au collège, il sera encore en difficulté. Échec scolaire. Donc après, faut se poser des questions aussi. Mais nous en monde rural, il faut aussi que nous, on ait le même niveau qu'en ville. C'est-à-dire que maintenant on ne mise que sur les parties ville. On n'entend parler que de ça. Même là ce matin, c'est ce qu'on nous dit. Que de toute façon, le milieu rural, c'est terminé. Il faut arrêter. On nous dit de toute façon, c'est sans Joigny. Le discours a été clair. Hein. Tout à l'heure, même tout à l'heure, il y a un autre journaliste qui nous l'a dit. Il a dit, la carte, c'est maintenant tout le nord de Lyon. Le sud, c'est terminé. Il n'y a plus rien du tout. C'est complètement contradictoire. Et les élus sur le terrain font des efforts pour ramener de l'activité. On investit beaucoup. On investit dans les écoles. Les écoles, elles sont aujourd'hui aussi numériques. Et donc, la qualité d'enseignement est là. On a aussi des enseignants qui ont investi en formation dans des classes qui sont des classes uniques, qui savent bien gérer, avec une réussite scolaire qui est égale à d'autres conditions. Hein. Nos enfants réussissent au collège et au lycée. Donc la qualité de l'enseignement est vraiment pas à remettre en cause. Donc ça ne peut pas être non plus un motif invoqué. Donc on va perdre en qualité d'enseignement pour un regroupement dans des classes à 30 multiniveaux avec des enseignants qui ne pourront plus non plus assurer leur profession correctement. Il y a aussi quand même plein de liens, les écoles ne sont pas isolées, les enfants font des activités ensemble, font des activités sportives, font des voyages scolaires. Avec le numérique aujourd'hui, ils sont ouverts aussi sur l'extérieur. Donc il y a d'énormes efforts qui ont été faits et c'est aussi piétiner ces efforts. Boop boop boop.